Salutations spéciales pour mes amis. Nous allons étudier ensemble 13e et dernière leçon dans le guide d'études pour le trimestre. Là. Et mais bien avant même que nous entrions dans l'introduction de la leçon semaine, allons prier le Seigneur. Nous remercions Éternel notre Père et notre Dieu. Nous faisons louange pour vous parce que c'est Dieu véritable. Merci au Dieu pour tout ce qu'on fait dans la vie et pour ça qu'on continue à faire pour nous. Merci pour la provision que vous avez déjà fait pour nous pour la semaine. Ça. Je dis à nous allons introduire ensemble le son École Sabbat pour la semaine. Là. Aidez-nous, Père, pour que nous soyons capables de comprendre la parole le mieux chaque jour et appliquer dans la vie. Nous n'avons pas de mérite comme ça, nous prions dans Jésus. Amen. Semaine, ça, nous allons ensemble 13e et dernière leçon dans le guide d'études qui est titré comme ça. Se lancer par la foi. Se lancer par la foi, c'est dernière leçon que nous allons voir ensemble dans le guide d'études apôtre Messia qui est titré « Se faire des amis pour Dieu, la joie de participer à sa mission ». Et texte qui a servi nous comme texte central pour leçon ce maintenant, c'est Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11, Matthieu chapitre 4, le verset 18 à 20, Actes chapitre 9, le verset 3 à 6, verset 10 à 20, et Jean chapitre 21, le verset 15 à 19, et Jean chapitre 3, le verset 16 à 18. C'est texte sérieux qui pourrait servir nous comme texte central pour leçon semaine. Verset pour nous capables de mémoriser, c'est Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 7, qui dit comme ça, « Et entre vous, les dispositions qui étaient en Jésus-Christ, lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu de l'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. » C'est verset ça pendant la semaine là, pour que nous soyons capables de mémoriser. Jésus laisse gloire dans le ciel là. Il laisse adoration dans le ciel. Il laisse papa là. Eh bien, ça, c'est un sacrifice que nous ne sommes pas capables d'imaginer. Pourtant, Jésus, eh bien, il vient dans le monde de souffrance, ça, dans le monde de la mort, ça, pour qu'il soit capable de révéler le caractère de l'amour papa. Pour être capable de regagner l'affection de l'espèce humaine et pour être capable de racheter toute l'humanité. Pour la rédemption, Seigneur, nous ne pouvons pas jamais connaître, nous ne pouvons jamais comprendre ni aujourd'hui, nous ne pouvons jamais comprendre la valeur que lui-même a gagnée. Mais c'est quand nous sommes avec vous, nous arrivons à sauver. Là, nous trouvons devant le trône, Papa bon Dieu, nous pouvons comprendre le sacrifice infini que Jésus lui-même a fait pour nous. Alors, lorsque nous arrivons devant le trône, Papa bon Dieu, eh bien, Dieu nous pourra le frapper eh bien, par un ensemble de choses. C'est là que nous pouvons rendre compte qui va les bagailles que Jésus t'a quitté lui-même pour que lui soit capable de venir ici-bas et bien pour que nous-mêmes nous capables de gagner la vie éternelle. Nous pouvons voir qui quantité de risques que Jésus lui-même lui prend. Lorsqu'il t'a quitté le trône, Papa bon Dieu, le trône côté que lui-même lui était, côté d'après ses voix, adoration, gloire, et bien il t'a laissé papal et bien pour que lui-même lui était capable de venir mourir pour nous. Laisse ça, nous pouvons prendre conscience. Et bien, couronne que Jésus t'a mis sous tête, nous, bien, nous pouvons déposer lui dans pied Jésus et nous pouvons chanter cantique, ça nous pouvons dire l'agneau qui t'est immolé, l'agneau qui t'est égorgé, l'indigne pour capable recevoir puissance. Richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Eh bien, sacrifice que Jésus a fait pour nous, il n'y a pas de prix. Quand nous-mêmes nous répondons avec la direction qu'il a nous, que nous acceptons l'autre, que nous-mêmes nous unis nous pour que nous puissions atteindre l'autre monde pour le royaume de Dieu, ça lui demande un sacrifice. Et sacrifice, ça, il n'y a pas jamais capable de comparer dans aucune manière avec ça que Jésus lui-même lui fait pour nous. Mais le ministère qui consiste à gagner des âmes, eh bien, lui demander, moi-même, ensemble avec vous, pour que nous soyons capables de gagner la foi. Et ça fait nous sortir dans la zone de confort que nous, c'est-à-dire nous-mêmes, côté nous, nous à l'aise, nous tout à fait, nous avons fonctionné, eh bien, normal. Eh bien, parfois, Christ peut demander nous pour nous quitter la zone de confort, ça y est, pour que nous soyons capables d'aller rentrer dans des terres inconnues pour que nous soyons capables de partager l'évangile. Et parfois, Seigneur, il peut demander nous pour nous faire des grands sacrifices, mais joie que lui-même lui réservé pour nous, eh bien, il peut être plus grand que tout sacrifice, même ensemble avec vous, eh bien, nous sommes capables. C'est-à-dire, nous, ouais, pendant ce moment, lancés par la foi, eh bien, nous pourrons entrer dans l'évangélisation eh bien, avec la foi. Il n'y a pas que Christ qui a demandé pour nous faire, ce n'est pas fait pour nous faire, ce n'est pas fait pour nous faire, vraiment. Mais vu que nous croyons dans lui, vu que nous faisons foi dans lui, eh bien, ça qui lui-même a demandé pour nous faire, eh bien, nous pourrons le faire. Eh bien, c'est l'introduction, leçon ce maintenant, qui c'est leçon 13, se lancer par la foi. Déjà, je vous souhaite bonne étude,
Bonne semaine et que Dieu vous bénisse.